Alors je sais, un titre un petit peu accrocheur, celui du secret pour faire des meilleures photos de paysage. Et c'est vrai qu'on est sur internet, on cherche tout souvent des astuces, des techniques afin de pouvoir progresser en photo et avoir un peu des raccourcis pour pouvoir progresser plus vite. On cherche certaines techniques, mais avec le temps je me suis rendu compte que c'était pas ça le plus important. En tout cas, ces techniques, c'est pas ce qui va rendre votre photo incroyable. Le secret se porte plutôt ailleurs. Enfin, s'il y a un secret, on en parlera un petit peu plus tard. Mais de manière générale, il faut se dire que moi, en tout cas, je trouve que tout ce qui est techniques et astuces pour faire des photos sont vraiment importantes. Connaître les bases de la photo, c'est important, mais je pense que ça représente à peu près 5% du rendu final de l'image. C'est pas ce qui va rendre votre photo vraiment incroyable et puis ce qui va faire que vous allez l'aimer beaucoup dans le temps. Avoir certaines techniques, certaines astuces, c'est sûr, ça peut aider pour faire des photos par-ci par-là, mais si vous cherchez vraiment à faire une photo vraiment qui sort du lot et que vous allez pouvoir accrocher à votre mur et dont vous serez fier, bah, je pense que le secret se situe plutôt ailleurs. De la même manière, parfois on cherche aussi quel matériel peut nous aider à faire des meilleures photos de paysage. J'ai souvent cette question d'ailleurs dans les commentaires ou sur les messages privés, de savoir quel objectif à avoir pour faire des photos de paysage, puisqu'il y a des gens qui font beaucoup de photos en montagne ou photos au bord de la mer, etc. Et on me demande conseil sur les objectifs. Alors c'est sûr, ça c'est important, le matériel peut être important, mais c'est un peu comme la technique, je pense que ça représente pas plus de 5% du rendu total de l'image, et peu importe le matériel que vous avez utilisé, surtout en photo de paysage, je pense vraiment que ça a peu d'importance, parce que sur de la photo de paysage, finalement, on n'a pas besoin d'avoir un boîtier qui est d'énorme capacité en faible luminosité, parce que on peut toujours poser la photo sur un trépied, vu que nos sujets ne bougent pas, le paysage ne bouge pas, donc ce problème-là, il n'est pas présent sur les photos de paysage. Et puis, pareil, le nombre de mégapixels, c'est toujours discutable, mais je pense pas que ça soit quelque chose de très important. Il n'y a pas besoin d'avoir un autofocus pour faire des photos de paysage. Donc, de manière générale, en fait, il faut un matériel assez simple pour pouvoir faire des belles photos de paysage, mais encore une fois, je pense que ça représente pas plus de 5% du rendu général de la photo. En fait, je me suis rendu compte avec le temps que s'il devait y avoir un secret, c'est pas trop un secret, mais la chose la plus importante pour moi pour faire des belles photos de paysage, en tout cas c'est ce qui représente 90% de la photo, bah, c'est d'être au bon endroit au bon moment. Sachant que les bons moments, la plupart du temps, c'est au lever du soleil ou au coucher du soleil, donc ça implique quand même beaucoup d'engagement, et c'est vraiment ça qui est le plus dur dans les photos de paysage. Et puis également, quand on va y arriver à un lieu qu'on peut peut-être connaître, en tout cas un paysage qu'on connaît. Par exemple, ici, je suis aujourd'hui dans le massif de la Chartreuse, qui est un massif magnifique, il y a beaucoup de choses à faire en termes de photos. Il fait beau aujourd'hui, j'ai de la chance. En revanche, c'est pas tout à fait les conditions que j'espérais. En fait, j'espérais avoir un petit peu de nuages sur les montagnes pour avoir quelque chose d'un petit peu plus dramatique, avoir quelque chose d'un petit peu mélangé. Ça fait quelques fois que je viens ici et à chaque fois, j'arrive pas à avoir exactement les conditions que je souhaite. Et en fait, pour moi, c'est ça le plus dur, c'est qu'il faut arriver à avoir le courage de venir ici souvent et puis de prendre le temps de faire des photos et puis essayer d'avoir les conditions que j'ai en tête, en tout cas pour la photo que je veux faire. Et voilà, s'il devait y avoir vraiment un secret pour faire des belles photos de paysage, c'est de se rendre aux endroits où il y a des belles photos à faire, parce qu'on ne peut pas faire des belles photos de paysage devant un paysage qui n'est pas intéressant, même si on peut toujours trouver des choses intéressantes dans des paysages qui ne sont pas forcément intéressants. Mais si vous voulez quelque chose d'assez grandiose, il faut forcément que le paysage soit grandiose devant vous. Et puis également, le temps est vraiment très important, les conditions dans lesquelles vous allez aller, les saisons dans lesquelles vous allez aller aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes et qui vont faire toute la différence entre une photo qui va être plutôt sympa, d'un paysage qui est joli, et une photo qui est vraiment exceptionnelle. Et c'est là où la différence se fait entre les photographes qui sont de renommée mondiale. Moi, je ne suis pas du tout un photographe de renommée mondiale, loin de là. Je pense que les grands photographes, en fait, la seule différence qu'ils ont par rapport aux photographes, on va dire, normaux, c'est qu'ils s'impliquent énormément, ils passent du temps pour développer leur art. Alors, ils peuvent se le permettre, hein, parce que tout le monde ne peut pas être photographe professionnel et de faire que ça. Mais si on veut vraiment faire des belles photos, je pense que c'est vraiment très important de s'impliquer un maximum. Et c'est comme ça que ces gens font pour avoir des photos qui sont extraordinaires. Alors, je me permets de me couper moi-même parce que j'ai oublié, en fait, de vous parler d'un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps, un livre de David Naughton, que j'ai juste ici, qui s'appelle Waiting for the Light. Alors, je sais pas si vous connaissez ce livre. Malheureusement, c'est un livre qui est que en anglais, mais pour ceux qui parlent anglais ou qui comprennent l'anglais, je vous le conseille vraiment parce que, David Naughton explique vraiment le temps qui passe sur chacune de ses photos, l'implication qu'il met sur chacune de ses photos, et puis qu'il attend des jours et des jours pour avoir la lumière parfaite. Donc voilà, c'est un livre vraiment que je vous conseille. Néanmoins, si je peux me permettre de vous donner quelques petits conseils à mon humble niveau de photographe de paysage, en tout cas ce que j'ai pu remarquer avec le temps, j'ai pu remarquer que déjà, venir souvent dans les mêmes endroits, c'est toujours bénéfique parce qu'on découvre des nouvelles choses, et puis ça nous permet aussi d'apprendre à quel moment être à quel endroit et à quelle saison
et à quel endroit. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, là, je suis dans le massif de la Chartreuse. Je suis venu pour faire aussi cette vidéo, mais je ne suis pas venu forcément pour faire des photos. Je suis surtout venu pour repérer, voir en hiver les endroits où le soleil va se lever, où il va se coucher, et puis ce que ça va provoquer sur les montagnes qui sont aux alentours. Parce qu'en fonction des saisons, forcément, tout ça change. D'ailleurs, je vous invite aussi à installer sur vos téléphones des applications qui vous permettent de savoir en fait où le soleil va se lever et où le soleil va se coucher si vous arrivez à un endroit que vous ne connaissez pas forcément. Mais de manière générale, si c'est possible de revenir souvent au même endroit, pour vous, c'est toujours bénéfique parce qu'on repère toujours des nouvelles choses. Et puis, on sait déjà anticiper comment ça va se passer au niveau du coucher de soleil. Et ça permet d'être beaucoup plus efficace et un petit peu moins stressé. Parce que finalement, un coucher de soleil, on dirait que ça se passe assez lentement. Mais quand vous êtes sur place en train de vouloir faire des photos et à chercher la composition parfaite, le temps passe très vite. Et souvent, on est surpris. Et puis, on fait un petit peu les choses à la hâte. Surtout si on arrive peut-être un petit peu en retard, si la marche a été un petit peu plus longue que prévu pour arriver sur place. Donc voilà, le fait de venir souvent, ça permet, je pense, de beaucoup progresser pour faire de meilleures photos en fait du lieu que vous voulez prendre en photo. Un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est aussi d'être patient sur place. Alors il y a plein de photographes qui travaillent différemment, mais moi je sais que je suis plutôt partisan d'installer mon trépied avec mon appareil photo et de ne pas bouger et d'attendre que la lumière soit parfaite et d'attendre avec le temps. Et puis si la lumière parfaite ne se présente pas, il faudra que je revienne un autre jour. Mais le fait de s'installer, de faire une composition, ça permet de prendre le temps aussi de faire une bonne composition. Et puis voilà, il faut attendre parce que la plupart du temps, la lumière parfaite arrive une fois qu'on a bougé. C'est très souvent ça. On prend notre photo, puis on se voit à un autre endroit qui est intéressant, on va changer de position. Et puis en fait, la lumière est en train de changer très rapidement parce que dans les derniers instants du coucher de soleil, ça change aussi très vite. Et puis souvent, on se fait avoir comme ça. Donc je sais que maintenant, ce que je fais, c'est que je m'installe pour une photo et j'essaye d'être patient et j'attends. Et puis un dernier conseil que je peux vous donner aussi, c'est n'essayez pas de vous comparer aux autres photographes qui sont venus sur l'endroit où vous êtes et vous comparer aux autres photos qui ont été faites. Parce que je pense qu'il y a tellement de belles choses qu'on voit sur Internet, tellement de photos incroyables avec les réseaux sociaux. On peut se comparer en fait aux meilleurs mondiaux en 30 secondes avec notre téléphone et aux meilleures photos qui ont été faites dans le monde. Et je trouve que ça peut être décourageant dans certains cas. Je pense qu'il est toujours mieux de comparer les photos par rapport à vos anciennes photos. C'est-à-dire remarquer votre progression. Par exemple, essayez de regarder les photos que vous avez prises il y a un an. Si vous retournez souvent au même endroit, essayez de voir votre progression aussi sur les photos que vous avez faites. Et puis là, vous verrez que vous progressez vraiment. Alors que des fois, quand on regarde d'autres photos, on peut être un petit peu découragé. Je pense qu'il faut regarder les autres photos des autres photographes pour être un petit peu inspiré. Mais il ne faut surtout pas essayer de se comparer parce que c'est de la même manière, c'est un art la photographie. Donc ce qui va vous paraître extraordinaire peut-être paraître moins bien pour d'autres. Et y a peut-être des personnes qui vont préférer votre photo qu'une autre photo d'un très grand photographe. Ça va dépendre vraiment de la sensibilité de chacun. Mais voilà, de manière générale, je pense que c'est vraiment de se comparer avec soi-même et puis juste rester ouvert sur ce qui se fait ailleurs, mais pas essayer d'avoir un élément de comparaison. Pour conclure cette vidéo, finalement, je pense que c'est une bonne nouvelle quand on se rend compte que finalement, c'est pas le matériel qui est important. C'est pas forcément la technique, même si elle aide un petit peu, mais c'est surtout l'expérience du lieu et puis le courage qu'on va avoir d'aller faire ses photos et puis l'implication qu'on va avoir. En tout cas, moi, quand je me suis rendu compte que la photo de fit paysage, finalement, c'était ça, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai beaucoup décomplexé. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, le seul frein à faire de meilleures photos, c'était moi. Il faut juste que je progresse et que j'arrive à aller aux bons endroits au bon moment et puis que j'ai le courage de le faire. Alors, c'est vrai que j'ai la chance d'habiter dans une région où je suis pas très loin de pas mal de massifs montagneux. Donc, pour ceux qui aiment la photo de montagne, c'est vrai que c'est toujours bien, mais je suis à une heure de route, on va dire, de pas mal de lieux qui sont intéressants. Mais néanmoins, il faut quand même faire l'heure de route pour y aller. Il faut quand même marcher une ou deux heures pour arriver aux endroits intéressants et y être au bon moment. Donc, si on veut faire des levées de soleil, ça implique se lever très tôt. Et puis, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Parce que selon les conditions, ça va pas fonctionner. Donc, des fois, on rentre bredouille avec aucune photo. Et ça peut être décourageant, mais il faut continuer. Et je pense que voilà, c'était le message que je voulais donner sur cette vidéo. C'est que finalement, tout le monde peut faire des super photos de paysage. Il faut juste être courageux et puis s'impliquer un maximum dans ces photos. Et puis, avec le temps, vous allez forcément progresser et forcément faire des clichés fantastiques. D'ailleurs, je vais vous laisser parce que la lumière est vraiment en train de descendre là sur le massif de la Chartreuse et j'aimerais bien faire quand même quelques photos avant la nuit. Donc, je vais essayer de voir, de choper les dernières lueurs du jour sur les montagnes qui m'entourent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis, je vous souhaite plein de courage pour vos photos de paysage. Surtout en hiver, c'est toujours un petit peu plus dur parce qu'avec le froid, ça peut être compliqué d'aller en montagne, etc. Ça dépend de l'endroit où vous êtes. Voilà, courage pour vos photos et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.